pas bien rangé, alors c'est compliqué. Et ici, là, tu rajoutes le score, là. Voilà, tu fais. Ouais, je te mettrai le. Ouais, au moins, t'es tranquille, t'es assis, parce que bon, là, c'est tout à bordel. Parce que je suis monté un PC et tout, exprès. Ouais, tu m'expliques à chaque fois. En fait, c'est pas compliqué, tu vois. On ouvrira cette page-là pour ce tout est ouverte. Ouais, bon, ça, c'est le chat. Hein. Donc, tu crois que c'est moi qui l'ai ouvert pour que le chat apparaît. Parce que... Et. Parce que là, si il clique dessus sur le lien, ça fait quoi? Et là, ils entendent? Non, ils n'entendent pas. C'est pour ça qu'il faut l'enlever là. Parce que l'autre fois, en fait, on entendait tout. Et oui. Et on t'entend pas.
le prenne à la main, tu penses? Je le prenne à la main, tu prends la main, ouais. Par contre, on n'a pas le nettoyer, le truc nettoyé, tant pis, c'est moi qui le tiens. C'est bon? C'est bon? Ouais, y a le son, là, non? Ouais. Par contre, on ne me voit pas, là. On me voit pas. On me voit. Bonjour à tous, bienvenue au stade de l'Aiguille aujourd'hui pour ce fameux derby Limoux-Lézignan. Comme nous l'avons dit la dernière fois, on va retransmettre systématiquement nos matchs. Alors on s'améliore de plus en plus, on vous demande encore d'être patient. Et puis surtout, écoutez, venez voir ce match, parce que ça nous permet avec nous. La dernière fois, nous avons fait quand même plus de 7500 vues. Donc merci déjà à tous les internautes qui ont suivi le match. 7500 vues, pour nous, c'est quand même très très important, notamment également pour nos partenaires publics, privés, qui continuent à nous soutenir malgré la situation. Voilà, donc la vie d'un club, c'est ça, c'est pouvoir bien sûr jouer sur le terrain, mais c'est jouer ce rôle d'échange, de partenariat, et nous la façon, c'est de pouvoir retransmettre ce match et mettre à l'honneur nos partenaires, bien sûr, faire plaisir à nos supporters. Alors supporters, bien sûr, quand j'étais un supporter, c'est comme les supporters bien sûr de Lézignan, avec mon ami Christian Lapalu, qui est présent avec moi. Je remercie aujourd'hui la ville de Limoux, qui est encore partenaire, monsieur Durand, si tu peux, voilà, monsieur Pierre Durand, donc monsieur le maire. Merci encore à vous d'être partenaire du match, comme toujours, et encore une fois, merci de votre soutien depuis ces durs moments. Merci Veolia également, qui est partenaire du match aujourd'hui. Merci de votre soutien. Monsieur Salin qui continue bien sûr à nous être derrière nous. Merci. Et puis je vous présente plus maintenant Mylène, co-présidente de Limoux 13. Donc aujourd'hui, beau temps, beau stade. Malheureusement, ça ne va pas crier dans les tribunes, mais en tout cas, j'espère que vous allez crier derrière vos écrans. Il va y avoir un beau match. Comme je vous disais la dernière fois, la grande victoire, c'est de pouvoir jouer. Il faut souligner quand même que le rugby à 13 élite a été défini comme sportif, comme sport de haut niveau. Donc nous avons cette chance de pouvoir œuvrer. Donc profitez-en. Et puis, je ne suis pas trop, mais likez-nous, mettez-nous beaucoup de j'aime, et ça nous permettra de continuer. Je laisse la parole à mon ami Christian. Merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est des moments qui sont assez particuliers, mais comme le disait mon ami, président de Limoux 13, déjà de pouvoir regarder ce match comme vous allez pouvoir le faire, de jouer dans des conditions certes où il n'y a pas de supporters, de spectateurs autour du terrain pour crier, mais bon, il le disait, on a la chance de faire partie quand même de ce sport de haut niveau et qui permet à l'élite du rugby à 13 français de pouvoir s'exprimer et de jouer. Je pense que nous allons assister à une belle partie. Le terrain est magnifique, le temps est magnifique, et puis il y a deux équipes qui se connaissent quand même, et puis qui emploient un rugby d'un niveau assez agréable, et j'espère que vous allez pouvoir profiter de cette rencontre. Dans tous les cas, je dis bonne chance aux deux équipes, et au moins que nous puissions vous montrer du joli spectacle pour que vous puissiez, le moment venu, revenir sur les stades et supporter vos équipes. Merci. Thank you.
Merci Christian, et si vous pouviez revenir après avec une belle victoire de Limoux, ça serait encore mieux. Frédéric Salin, donc directeur de Veolia Aude, également partenaire de Lézignan, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a eu, c'est important, mais, c'est là la communication et puis les relations, les bonnes relations que nous avons entre clubs audois, surtout que Lézignan-Limoux, ça a toujours été une demi-frère, on va dire, voilà, une famille. Et c'est vrai qu'on a voulu aujourd'hui, enfin vous avez voulu, Veolia, de partager ce match avec nous. Merci d'être là, merci de faire partie du club, dans notre club, avec nous, et puis pour pouvoir... L'équipe de Limoux qui a su rebondir quelque part, pour répondre à l'attente de ce grand nombre de spectateurs qui étaient présents à toutes les rencontres, en leur offrant la possibilité de s'exprimer, de vivre un grand match, parce que Lézignan-Limoux, c'est toujours des derbies importants, ça fait toujours des belles rencontres, et bien de pouvoir le vivre devant l'écran, un écran réduit, mais un écran quand même, et de participer à cette vie. Alors, président, vous le savez, vous l'avez dit, la ville de Limoux a été à vos côtés dès le premier match, parce que ça me semble important, dans les moments difficiles, d'accompagner le moment associatif, le moment sportif. On l'a fait d'ailleurs pour les associations culturelles, de répondre à leurs sollicitations. On le fait aujourd'hui avec vous. D'abord, pour vous accompagner dans la démarche, parce qu'elle n'est pas évidente, il faut arriver à continuer à sensibiliser. Mais on a souhaité aussi, à travers cette retransmission, être à vos côtés pour justement permettre au plus grand nombre de profiter de ce belle rencontre. Alors le sport, le rugby à 13 en particulier, c'est aussi une grande famille, et tu l'as dit tout à l'heure Christian, on le démontre aujourd'hui, et ces joueurs sont venus sur ce terrain de l'Aiguille, l'emblématique terrain de l'Aiguille, pour faire une grande rencontre, une belle rencontre, et offrir des images tout à fait particulières à son public. Merci Veolia qui est toujours présent quand on les sollicite, et je crois qu'encore une fois, c'est une belle entreprise qui démontre encore, comme il se doit, cet esprit de solidarité sur nos territoires ruraux. Ce sont de véritables partenaires, mais qui s'investissent aussi au quotidien dans la vie du club. Et c'est l'occasion, Christian, Laurent, de les remercier, parce qu'une collectivité, c'est bien, mais s'il n'y a pas le monde de l'entreprise, le monde de l'économie, bien quelque part, les clubs d'élite n'auraient pas de sens, n'auraient pas la possibilité aussi de pouvoir s'exprimer. Et c'est l'occasion, bien sûr, à travers vous, de remercier l'ensemble des entreprises qui s'investissent dans le sport en général, et plus particulièrement pour le rugby à 13. Merci. Alors, je vais passer la parole à Mylène. Mylène, un petit mot par rapport au déroulé de l'après-midi. Donc voilà, bonjour tout le monde. Donc derrière vos écrans, on compte vraiment sur vous pour que vous puissiez nous soutenir également. Bon, match à huis clos, c'est triste effectivement parce que les tribunes sont vides, hein, mais franchement, on passe sincèrement à vous qui nous soutenez derrière vos écrans. Alors comment ça va se dérouler? Donc là, le match va pas tarder à commencer contre Lézignan, dans les réseaux, et être avec nous, près de nous, si voilà, comme physiquement on peut pas vous avoir. Voilà, donc on vous remercie. Comme disait Laurent Moreno, on a fait plus de 7500 ou 7700 vues la dernière fois. Le but, ça serait de doubler les vues, ça serait vraiment important pour nous et pour les joueurs, et voilà, et la visibilité du club. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Allez, bon match, maintenant place au jeu. Merci à vous d'être venu. Merci. Il faudra des repas la prochaine fois. Hein. Ouais, c'est en bas. Je coupe pas. Non. Ah, je vais jouer. On coupe le son ou pas? Ouais.
tu as le son là, 1, 2, tu l'entends que... C'est bon là au niveau du son? C'est bon? On passe, ça passe bien? Un, deux, et c'est son, c'est bon? On y va là? C'est bon? C'est bon? Toi, on peut y aller? Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Bien, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur la chaîne YouTube du 13 Limousin, ici au Stade de l'Aiguille, pour vous faire vivre ce derby au bois entre le 13 Limousin et le Feu Selezignan, sous un magnifique soleil quasi printanier. Alors à mes côtés, pour vivre cette rencontre, bien Rafa Bruno qui est là. Et nous allons essayer de vous faire vibrer entre ces deux équipes qui, nous en sommes sûrs, vont nous proposer un bon rugby comme nous le voyons depuis le début de la saison, alors que la sirène a retenti et c'est parti puisqu'il n'y a pas de public. Coup d'envoi des Limousins et de suite je vais vous donner la composition des visiteurs lesignanais et puis Rafa Bruno vous donnera la compo des Limousins. Pour Lesignan, arrière numéro 1, Cardas, Gavin Cardas. Aux ailes, numéro 20, Gouzi. Numéro 2, Soler. Au centre, numéro 5, Bonnériez. Numéro 6, Ferré. En charnière, numéro 7, Marginet. Numéro 21, Gouache. La première ligne, Thibaut Margallet aura le 9 et Albert aura le 13. Le talonneur Thomas Lacaze aura le 19. En seconde ligne, nous aurons Cyril Stacul et Alexandre Corst. Troisième ligne, Anthony Ors. Sur le banc, Maxime Denos aura le 16. Tristan Margallet le 23. Anthony Maria, qui arrive du Rhône catalan, le 15. Et Étienne Guéraud, le 12. Voilà, première portée de balle en faveur de Lesignanais. Ballon rendu au Limousin. La compo de Limoux, Rafa. Bonjour à tous. Pour Limoux, l'arrière, c'est le numéro 2, Fabien Fauvy. À l'aile 21, c'est Tony Morel. Au centre, 27, Maxime Péot et 17, Quentin Garouste. À l'autre aile, le 5, Alexandre Bourrel. À l'ouverture, Alain Toreille, le 6, le 7, c'est l'Australien Elie Lévido. Première ligne, le 8, Alexandre Michalesic. Le 9, Florian Bousquet. 25, Valentin Yeza. Attention, une action là-bas, excusez-moi, avec la balle d'essai, ça va être le premier essai Limousin sur cette chaîne de Bardella, sur le côté gauche là-bas. Premier essai de Maxime Péot. Maxime Péot avec ce bon débordement sur le côté gauche de Bourrel, je crois, de Morel, qui a pu remettre ce ballon à l'intérieur et dès la deuxième minute, c'est le premier essai marqué donc par Maxime Péot. Ouais, magnifique action. Hein. Ah ouais, ouais, d'entrée, le ton est donné. Un très bon petit côté fermé, un bon décalage, remise à l'intérieur et Limoux ouvre le score. Je continue sur la composition avec Florian Bousquet, numéro 9, au talonnage. Valentin Yeza, l'autre pilier, 25. Seconde ligne, le numéro 22, Yann Belmazis. Le 12, Benjamin Berniol. Troisième ligne, Michael Rouge, qui est le capitaine. Remplaçant. Le 11, Leandro Torres, et le 15, Mathieu Lieuze. Alors vous avez vu qu'à 13, ça va très vite, puisqu'on ne nous a même pas laissé, du côté du 13 Limousin, donner la compo de l'équipe, puisque déjà c'est le premier essai, et Alain Torres rajoute la transformation, et le 13 Limousin, après presque 3 minutes de jeu, mène 6-0. Juste pour préciser, Maxime Péot, essai, entreprise DVS.
et transformation réussie par Alain Toreille, sponsorisé par le 22. Merci, monsieur. Allez, c'est, les Ignanais vont donner le coup de renvoi, une entame de match très, très intéressante de la part de cette équipe limousine. Rafa, qui a sa nouvelle recrue, Élie Lévido, qui fait son premier match aujourd'hui. Tout à fait, un jeune joueur australien qui arrive avec une belle carte de visite, qui a toujours été dans l'antichambre de la NRL, même s'il n'a pas franchi le cap, et on attend beaucoup de lui dans l'organisation, avec malheureusement une faute sur l'engagement qui va permettre à Lézignan d'occuper le camp limousin. Et voilà, sur le coup de renvoi, une faute, une mésentente limousine. Et là, derrière, M. Castille, dont nous n'avions pas cité le nom, l'arbitre se rend compte, donne une pénalité, qui joue à la main. On va lancer Coste qui vient prendre ce ballon pour Lézignan en percussion. Derrière le tenu, c'est donc... on a Thomas Lacan, ça écarte là-bas avec Marginet qui essaye de prendre à l'intérieur. Attention, cette charnière Marginet gouache peut faire des dégâts avec la 15 au talonnage. Ça n'a rien en percussion. On va prendre qu'à quelques mètres de la ligne d'en but. Limousine va sortir ce ballon avec gouache qui retrouve Coste à l'intérieur. Coste qui est repris dans le centre du terrain. Ça repart sur le côté droit avec Lili Albert qui est refoulé, qui peut ressortir ce ballon. Et c'est gouache qui a plongé, que dit M. Castille. Non, il n'a pas marqué, hein. Il a été plaqué, il n'a pas pu franchir la ligne. On va jouer le tenu avec Marginet, petit coup de Pirazal de Marginet, bien récupéré. Et c'est le contre limousin là-bas. C'est donc Fabien Flovy qui avait récupéré ce ballon tel un gardien de but, qui est reparti là, M. Castille, qui siffle une pénalité pour un ralentissement du tenu. Ça va très vite. On a eu une grosse pression lézignanaise, bien sauvée par Flori. Tout à fait. Limoux a voulu faire preuve d'un peu plus de concentration, parce que sur l'essai marqué, perdre un ballon sur le coup de pied de Rambo, ça peut coûter cher. Et ils s'en sortent bien. Allez, ça va, on a joué le temps pénalty. C'est Valentin Yeza pour le 13 Limouxin, là, au centre du terrain, qui vient percuter, qui est pris sur les 40 mètres. Ça rejoue avec Bousquet pour Mikalizic. Mikalizic repris là avec une bonne défense lézignanaise. On rejoue autour du tenu. On va retrouver sur le côté droit. C'est donc Verniol. Verniol qui est de seconde ligne, qui est pris. Ça avance jusqu'aux 20 mètres lézignanais. Bousquet là pour Lévido, justement, qui croise à l'intérieur avec un de ses avants qui revient dans le... Et là, ballon perdu sur le plaquage. C'était Michael Rouge, le capitaine de cette équipe limousine, qui perd ce ballon. C'est dommage pour cette équipe limousine de perdre cette balle. Mais le plaquage était quand même bien construit par ces désignés. Oui, ben encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de temps mort, ça va vite, donc il y a un peu de déchets, mais c'est des ballons importants quand même. Là, de nouveau, Limoux est dans les 20 mètres, quoi. Hein. Donc, c'est des ballons à négocier qu'on rend de suite à l'adversaire. Il faudra être un peu plus appliqué à ce niveau-là. Allez, ça sort pour les Ignes avec Cardas qui vient prendre son premier ballon immédiatement là, au ras de la mêlée, qui progresse bien. Là. Allez, ça rejoue très vite avec un départ au ras et un plaquage sans ballon sur Stacul, je crois. Et donc, c'est une pénalité sifflée par M. Castille contre le 13 Limouxin. Problème de François Giovanni qui est en bord de touche pour le 13 Limouxin. Crie discipline et discipline. Et Marginet qui va trouver avec la pénalité une belle touche. Il n'y a pas du tout de vent ici sur ce stade de l'aiguille magnifique. Et les Ignanais qui reviennent sur les 35 mètres Limouxin. Alors on repart avec c'est Lilian Albert qui joue, évolue au poste de pilier aujourd'hui, qui est pris derrière le tenu avec Lacans. Lacans qui va retrouver Ors qui est pris, qui progresse jusqu'aux 20 mètres avec Lacans à la manœuvre derrière le tenu. Marginet qui va accélérer, qui va retrouver gouache. Gouache pour son seconde ligne Coste. Coste qui est plaqué dans les 20 mètres Limoux à nouveau. Lacans qui va retrouver Marginet. Gouache, et ballon perdu par les Lézignanais sur la percussion. Gouache avait ouvert, avait lancé
son pilier là, c'était dans son seconde ligne, Stacule, Cyril Stacule, qui était arrivé très vite, mais qui a perdu la course. Et à nouveau, bon, une dommage, c'est faute de mer en début de rencontre. Oui, oui, il y a beaucoup de déchets de part et d'autre pour un début de match. Il va falloir réduire un peu. Alors peut-être, Rafa, il faut rappeler que Limoux n'a disputé que deux rencontres. Ils n'ont pas joué pendant 9 mois. Donc. Voilà, donc ça sera aussi, il faut retrouver les automatismes, etc. C'est quelque chose qui peut peser sur la rencontre aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais c'est vrai aussi que lors des premières rencontres, on a été surpris quand même par le niveau du jeu après cette longue interruption. Et il me semble qu'il y avait moins de déchets que là, mais bon, les choses vont se mettre en place. Allez, avec Alexandre Bourrel là, qui revient vers le centre du terrain. Il y a Lili Moussin, ça rejoint avec Bousquet là pour Lévido qui essaye de s'infiltrer au centre du terrain, qui est plaqué. Mickaël Rouge, alors qu'il y a Lézignané qui reste au sol, petit coup de pied par-dessus, de Lévido justement, le ballon est récupéré par Cardas derrière qui récupère ce ballon en bord de touche et ça va repartir pour Lézignané. Ça rejoue avec le Solé qui est plaqué là, le jeune Solé là qui est pris alors qu'il y a le joueur de Lézignané toujours au sol, Monsieur Castille à se jouer ça. Avec Gouache qui repart dans le fermé, qui progresse derrière le tenu Thomas Lacan. Voilà, Monsieur Castille vient de voir qu'il y a un joueur de Lézignan. C'est Margalé, ça veut dire. Alors, c'est Thibaut Margalé, ça serait une perte pour cette équipe de Lézignan. Hein. Rappelons que c'est un ancien dragon qui a quitté l'équipe des Dragons et Saint-Estève-Catalan fin de saison, l'avant-dernière saison, qui est passé, qui la saison dernière était revenu retrouver son frère Tristan du côté de Hille dans leur club natal, on va dire. Hein. Et puis, cette année, ils ont décidé de retenter leur chance en Élite 1. Du coup, ils sont venus à Lézignan, voilà. Thibaut Margalé va reprendre sa place en boitant. On va repartir par le tenu avec Lacan qui va retrouver Marginé. Qui lance un de ses avants là-bas sur le côté Ors. Ors qui est pris sur au centre du terrain, il est mis sur le reculoir, ça rejoint encore là, on arrive à lancer là du côté du Feuseleux, c'est le cinquième est tenu avec la case qui va retrouver Marginé, un coup de pied de Marginé qui va essayer de trouver la 40-20, non, Alexandre Brel laisse rebondir ce ballon, oui il prend l'extérieur, il prend des risques, il a, heureusement et pour lui là, il avait pu échapper à son vis-à-vis Solé, qui aurait pu le balancer en touche. Et le 13, Limoxien repart là, et sort de ses 20 mètres. Derrière le tenu à présent, on va retrouver Lévido qui retrouve un de ses avants là, qui est plaqué sur les 30 mètres. Blanquetier, Bousquet dans le fermé pour Lévido sur un pas. C'est bien joué ça pour Garouste qui progresse et qui arrive sur la ligne médiane. Où il est plaqué derrière le tenu Bousquet. Bousquet pour Lévido pour Valentin Yeza. Plein champ là qui rafute un défenseur Lézignané mais qui est bien pris par la seconde lame. Allez, ça rejoue pour Lévido qui monte un grand coup de pied à la réception. Cardas. Magnifique prise de balle de Damien Cardas qui évite un premier plaquage et qui est repris immédiatement par les chasseurs limoxais. Ça repart avec Solé. Thomas Solé, le jeune joueur du Feuseleux, qui est pris immédiatement derrière le tenu. On va rejouer dans le fermé là, avec Bonnériès qui donne à Solé. Solé qui revient à l'intérieur, qui est repris sur les 50 mètres, la 15. Vraiment, il y a du rythme là. Allez, ça rejoue avec Gouache pour Marginé qui revient. Au milieu où il est pris par la défense limoxine sur les 40 mètres des Blanquetiers, ça revient à Béors, la troisième ligne du Feuseleux, cinquième et dernier. On va jouer une chandelle. Oh, Marginé qui glisse et qui va être prêt. Il peut libérer là. Et la défense, grosse défense derrière de Valentin Yeza sur Lacans. Et ça va être un ballon, la grosse pression des Lézignanais là. C'était le point fort déjà la saison dernière et le début de cette saison sur le plan défensif.
Il se montre performant et on l'a vu encore une fois là où ils ont réussi à bloquer les Lézignanais. Oui, parce que Lézignan avait mis pas mal de volume là, dans ce jeu là. Ils les ont sur le dernier tenu, une petite mésentente du côté de Lézignan et donc de suite grosse pression. On a un bon ballon récupéré très haut par le 13 Limoxin qui au deuxième tenu revient dans le camp Lézignanais avec derrière maintenant Bousquet. Pour le demi-demêlé, Lévido qui relance, Makilizi, Koukla, et retourné, monsieur l'arbitre ne dit rien. Allez, ça rejoint Bousquet sur le côté droit avec Michael Rouge, le capitaine qui a l'absence de Maxime Erol, n'oublions pas, qui n'est pas là. C'est Michael Rouge qui est le capitaine avec Michael Ezik qui fait de la passe là. Grosse défense de Lézignan, c'est le cinquième tenu sur les 30 mètres, rappelons le score, toujours 0-0. Attention, petit coup de pied par-dessus là, de Toreille, mais bien récupéré par la défense de Lézignan, alors que l'on joue depuis 13 minutes. Allez, donc c'est une pénalité sifflée par M. Casti pour un plaquage au Limoxin sur un joueur du Feuseleu. Sur Solé précisément, et ça va permettre à cette équipe de Lézignan de se dégager. Allez, bon début de match, Rafa, beaucoup de rythme de part et d'autre. On est en train de gommer les petites fautes, et maintenant les chaînes tactiques vont au bout. Tout à fait, et c'est le jeu d'autant plus plaisant. Avec côté Limoxin, un Australien, Lévido, là, qui a l'air d'avoir une technique de passe et de jeu au pied qui devrait apporter au jeu collectif de cette équipe. Alors je crois que je me suis trompé, que c'était, il y avait, le score n'avait pas été ouvert, si Limoux a bien marqué dès l'entame, 6-0, Limoux mène bien. Allez, les Yannet à l'attaque avec un ballon, Marginé pour Cardas, alors que Marginé reste au sol, là, avec ça joue très vite avec Wash à hauteur pour la 15 qui est pris là. À 5 mètres dans l'axe des poteaux, Limoxin, grosse accélération avec Mariac, Anthony Maria qui vient de rentrer, qui va marquer. Non, il est plaqué sur le dos. Monsieur Castine n'accorde pas les yeux. Il y avait un Limoxin qui était dessous. C'était Lévido en l'occurrence qui était dessous, qui empêchait le dragon, hein, puisque Anthony Maria a fait la saison avec le dragon. Et là, avec un ballon pour Solé. Solé, lui, car il a laissé marquer là, par Solé. Juste essai accordé par M. Castille sur ce tenu de transition joué très vite au 10 mètres par Maria. On a joué dans le petit côté. Petite faute d'attention Limoxin. Et donc à la 15e minute, Lézignan marque par le jeune Solé complètement en coin. Un essai que Marginé va tenter de transformer. Rafa, réaction de Lézignan, ça a chauffé depuis un petit moment, et puis bon, ils ont réussi à quoi. Voilà, ça a chauffé, on a vu Bois se faire reprendre sur la ligne, Maria, dès son entrée, est pris sur le dos dans l'embut, et un petit côté où on manque de vigilance, et permet à Lézignan de revenir au sol. Allez, 6-4, transformation à suivre de Marginé. Bon, il n'y a pas de VAR, appelons-le, ou très très léger, donc... Marginé, c'est dans ses cordes, même si l'essai a été marqué à 7 ou 8 mètres du bord de touche. Donc, possibilité pour Rémi Marginé de ramener cette équipe lézignanaise à égalité. Alors, le coup de pied est complètement loupé de la part de Marginé. Alors, enfin, oui, on peut dire quand même, il y a cette colonne vertébrale avec Lacaze, Gouache, Marginé et Cardas, hein, talonneur, la charnière et l'arrière. Du côté des Ignans, mais peut être très très dangereux. Ah oui, surtout, parce que là on a beaucoup de talent, on va être carré. Ah ouais, c'est des joueurs d'expérience. Les deux Catalans à la charnière, on sait que c'est des bons distributeurs de jeu. Cardas, il a des jambes pour décrocher à tout moment. Oui, là il y a du potentiel. Ouais. Il y avait la rentrée de Maria en plus, qu'on voit en action là. Et voilà, vous avez vu le travail, ça va être. Bon combat au milieu là aussi. Énorme charge de Maria dans le milieu. Ah, il s'est blessé. C'est juste, c'est la cheville ou c'est la chaussure? Non, c'est apparemment c'est la cheville. Mais Lézignan qui a ce ballon, on reparle avec Ors, toujours au centre du terrain. Maria là qui
droite quand même assez bas là-bas. Allez, attention, le trou a été pris par Lacan, le jeune Lacan là, qui va redonner à l'intérieur à gouache et ça va être l'essai de gouache. Ah, magnifique action lusignanaise avec cette percée, juste au moment où, avec Rafa, on vous disait qu'il fallait se méfier de cette charnière et de ce talonneur et de l'arrière. Et bien voilà, un départ au ras du tenu de Thomas Lacan qui perce, qui arrive sur Flovy et qui retrouve gouache à l'intérieur. Et gouache va s'écrouler à gauche des poteaux. Et donc, là, en deux minutes, cette équipe de Lézignan va prendre le score. Magnifique action, hein. Mais le ras de tenue du Mouxin a été un peu là, inexistant. Ça. Ouais, ça a pêché, Lacan est passé comme dans du beurre au milieu et a offert un beau caviar intérieur à gouache qui était bienvenu en soutien. Ah oui, donc ça relance Lézignan et Limoux, il va falloir remettre un peu la barre un peu plus haut dans le jeu pour ne pas le laisser se déborder par cette équipe. Hein, tout à l'heure, nous insistions sur la défense limouxine. Et là, en deux coups, là, sur une attention sur le petit côté tout à l'heure, là, on aura du tenu. Deux fautes de défense qui sont mises à profit immédiatement par cette équipe de Lézignan. Et Marginé transforme. Et voilà Lézignan à présent qui prend le score 10-6. Alors que nous jouons la 18e minute. La 19e même, allez, on va dire, proche de la première moitié de la première période. 10-6 dans un match extrêmement agréable à regarder. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça va très vite à 13. Hein. Tu avais vu, Limoux est devant au score, il a fallu deux petites minutes pour prendre 10 points. Allez, sur le coup de renvoi, j'espère que vous aussi, sur la chaîne YouTube du 13 Limouxin, vous vous régalez de suivre cette rencontre en attendant de pouvoir regarnir à nouveau les tribunes des stades. Eh bien, il faut saluer les efforts des clubs, des partenaires des clubs, également des municipalités qui font de gros efforts pour permettre aux clubs justement de retransmettre ces rencontres, de mettre en place toute la technique, la technologie qui permet de retransmettre ces rencontres et qui vous permettent à vous, chers spectateurs trésistes, et j'en suis sûr non trésistes, de suivre ces rencontres alors que Lézignan est en train de mener une magnifique action. Là, un ballon qui arrive jusqu'à Théo Benériès qui redonne ce ballon, le jeu rebondit, repart vers la droite, la Marginé, petit coup de pied rasant de Marginé dans l'axe là-bas et attention, oula, on se trouve du côté de Morel et que le ballon lui est qui commet en avant sur ce petit coup de pied vicieux qui est ensuite le rebond est parti vers la droite et, bon, je crois que c'est Morel et lié du côté opposé Limoxin qui revenait et qui commet en avant devant sa ligne d'embut et qui rend qui sur cette faute va permettre aux Lézignanais de récupérer le ballon sur la mêlée sur les 10 mètres Rafa, une faute qui peut coûter cher au 13 de Limoxin. Oui, et ça se cumule un peu, et c'est tout le temps des fautes dans les 10 mètres, donc la sanction peut être de nouveau rapide et peser lourd dans la balance. Allez, la mêlée, ça sort pour Margin, gouache à hauteur là, pour Coste qui est pris, Marginé et gouache qui ne cesse de permuter, ça revient là à présent avec c'est donc le numéro 13, c'est Lilian Albert. Allez, ça rejoue avec ballon à présent pour gouache à l'intérieur. Attention je crois qu'il est pris là. Lacan qui va retrouver Albert là, une passe de basketteur avec une passe de pied dans de gouache qui va sortir. Oui, qui est sorti sous les poteaux. Monsieur Castille estime que Morel a récupéré ce ballon. Il donne à récupérer ce ballon, mais que le ballon n'était pas sorti, et donc c'est un renvoi sous les poteaux. Ah, nouvelle faute Limoxine, là, qui sous la pression manque un peu de maîtrise. Hein. Et oui, et qui permet à Lézignan de toujours dominer territorialement. Des fautes comme ça, on aura du mal à sortir de son camp. Territorialement, dans la possession, Lézignan qui maintient ce ballon, hein, sur les 30 mètres, ça rejoint encore là. Sur le côté droit,
Allez, avec on va revenir Maria qui a pris ce ballon. Ça repart avec Marginé pour Gouache. Gouache sur un pas pour Coste. Coste qui est plaqué sur les 15 mètres. Lacan à la manœuvre qui retrouve Marginé pour Maria, Anthony Maria qui est pris sur les 10 mètres. Nouvelle pression de Lézignan qui mène au score, rappelons-le. 10 à 6, ça joue dans le fermé là-bas, avec une passe sur un pas, et c'est l'essai là-bas, de Ferré. Fait marquer par Valentin Ferré. Bien, voilà, les Lézignans qui continuent à la 23e minute, en profitant de cette faute là-bas dans la butte de Morel, les Limouxins. Eh bien, c'est un nouvel essai, 3 essais de Lézignans en l'espace de 8 minutes par Valentin Ferré. Là, encore une fois, cette équipe de Lézignan qui, quand même, met beaucoup de volume dans son jeu. Hein. Ils essayent de contourner le parc des Moussins. Ils jouent plus vite. Et Limoux ne s'en sort pas. Ils subissent, de par leur indiscipline, en rendant beaucoup de ballons à l'adversaire. Et Lézignan a tout le temps de poser son jeu en jouant dans le camp des Moussins perpétuellement. Et à force, ben, ça craque et ça passe. Limoux qui avait, rappelons-le, débuté de façon tenue en marquant cet essai dès l'entame, dès la deuxième minute, avec une action, et depuis, une magnifique action sur le côté gauche, et depuis, eh bien, on cherche un peu cette équipe limouxine, qui est avec Lézignan à présent, qui mène 14 à 6, transformation à venir, allez, du côté droit là-bas, Marginé, et il met la transformation, voilà, donc, transformation de Marginé, et ça fait 16 à 6, 10 points. Ah, tout à l'heure, tu disais, Rafa, Limoux qui menait 6-0 à la 15e, voilà. On n'est pas encore à la 25e, et là, maintenant, c'est 6 à 16. Hein. Ça change vite. Oui, ça va vite, et si Limoux ne se dépêche pas de mettre la main sur le ballon, parce que là, il y a très longtemps qu'on n'a pas vu Limoux venir jouer dans le camp adverse, donc ils ne font que subir, et ça va être compliqué. Il faut inverser cette vapeur automatiquement. Et puis commettre moins de fautes. Sur le coup de renvoi, grosse percussion de Lilian Albert. Cette équipe de Lézignan là, qui a été un peu sonnée dès l'entame par cet essai Limouxin, mais là qui a bien réagi autour de sa charnière. Marginé Gouache, alors que la Bonnériez qui rafle tous les adversaires. Ils sont trois Limouxin pour mettre au sol le centre lézignanais. À l'intérieur, sur les 30 mètres, à l'intérieur du camp du Fosseleux, ça écarte là-bas. Allez, un ballon que les Limouxins récupèrent là sur cette passe mal ajustée. On a un peu joué à la baballe du côté de Lézignan. Et là, ça repart là-bas dans le fermé par Morel. Morel qui est repris à 15 mètres de la ligne d'en but avec Tisser, l'ancien Lézignanais qui vient de faire son entrée avec son casque noir et blanc. Allez, Bousquet, ça, avec attention, avec l'Australien Livido, là, qui a failli perdre ce ballon, mais qui a réussi à jongler avec. Ça repart dans le fermé avec le second de ligne, Éric Vergnol, qui est bien pris. Éric, c'est le bas. C'est Benjamin Vergnol, c'est le cinquième tenu. On va sortir ce ballon, une passe qui n'est pas encore très bien ajustée et que Lévido est obligé de ramasser, mais il est pris par la défense lézignanaise, c'était le dernier tenu. Et encore une fois, il y a des deux passes mal ajustées là, qui font perdre du temps à l'attaque de Limoux. Tout à fait, on revient toujours au même mot qui ne permettent pas à Limoux de posséder le ballon et de mettre un jeu en place. Alors qu'on a vu dès qu'ils arrivent à jouer qu'ils peuvent être aussi dangereux et performants. Le problème c'est que sans ballon, sans compléter les chaînes, c'est voué à l'échec. Oui, parce que là, ils étaient venus quand même dans les 10 mètres, mais enfin, un peu de précipitation ne leur ont pas permis de terminer cette action jusqu'au bout, cette chaîne jusqu'au bout avec de passes qui les ont fait plus reculer qu'avancer. Allez, en attendant, Lézignan est bien reparti. Lézignanais à présent avec Maria et là en avant, signalé par monsieur l'arbitre de touche et sifflé par monsieur Casti. Ballon qui va être rendu à Olimoursin au rouge et noir à l'intérieur du camp de Lézignan. Ça faisait un petit moment que Lézignan n'avait pas commis de faute là en jouant le tenu.
petit en avant, mais il n'y a pas de petit ou de gros ou de grand ou de gros en avant. Il n'y a que des en avant. Et donc c'est un en avant, c'est fait par monsieur Castille, qui permet à Lévido de produire ce ballon dans la mêlée limousine. Ça part sur le côté gauche là-bas avec un ballon pour Flovi qui est venu s'intercaler mais qui est pris immédiatement. Et on va renverser là avec Tisseire qui vient percuter voilà, le paquet d'avant limousin qui s'organise. On rejoue avec Torrey là-bas avec un bon ballon pour l'ailier voilà. Morel qui va marquer un peu. Voilà une action encore qui est menée très rapidement par l'équipe Limousin. Et essai de Morel sur ce côté gauche, là où était venu le premier essai, alors que nous jouons depuis pratiquement 30 minutes. Essai de Morel, de l'ailier là-bas, en coin. Alors là, Rafa, belle action dans le côté. Oui, belle action. Ben, c'est vrai que Limoux, ça fait combien 20 minutes qu'il joue sans ballon, donc il n'y a pas moyen de développer du jeu. Alors qu'on voit que dès qu'on est un peu maître dans la possession, on a les moyens de déborder aussi cette équipe de Lézignan. Ça va leur permettre de revenir au score. Il ne faut pas que Lézignan marque avant la mi-temps et si possible essayer de recoller. Il reste encore une dizaine de minutes pour essayer d'arriver assez près à la mi-temps pour avoir des chances dans le second acte de changer un peu de fusil d'épaule dans le jeu et de se montrer plus performant. On rappelle donc le partenaire du numéro 21, Tony Morel, qui vient d'inscrire cet essai, le Grand Café à Limoux, place de la République. Alors que la transformation est tentée par Torrey et du bord de la touche, elle passe. Voilà, transformation de Torrey. Et ça en revient à 12 pour Limoux, 16 pour Lézignan. Lézignan qui est toujours devant. Mais là aussi, perte de balle lézignanaise. Oui, alors. Sanction. Transformation d'Alain Torrey, partenaire le café le 22 sur la place de la République également. Oui, donc réalisme les deux équipes qui profitent de chaque faute dans les 20 mètres pour marquer. Donc là, ça a été le cas, comme tout à l'heure, ça a été le cas sur la faute de Morel d'ailleurs lui-même, qui se rachète ainsi en marquant ce très bel essai dans ce petit couloir là-bas et qui se rachète. Et la transformation du Torrey du bord de touche. Allez, 16 pour les Lézignan, 12 pour le 13 de Limousin. Et nous jouons là côté de 13 de Limousin. On va essayer de ressortir les 30 mètres. Ça va Lioz qui vient de faire centrer. Tout Tisser, on a fait tourner la première ligne limousine. C'était Morel, Alexandre Morel, qui était venu se positionner en position de demi de tenue au milieu du terrain. Valentin Yeza qui charge là, qui prit l'entrée du camp lézignané. C'est le dernier tenu avec Torrey qui monte une chandelle à la réception là-bas. Un ballon loupé à la réception. Le ballon a été loupé par Gouzi. Et faute de Gouzi là, sur ce ballon qui était monté très haut. Et Gouzi là, à la réception, se trouve et c'est une belle mêlée pour les Limousins. Alors est-ce que ça va être comme tout à l'heure? Vont-ils profiter de cette faute? C'est une récupération de ballon dans les 10 mètres, dans une chaîne de Saint-Tenue. Il y a matière à bien travailler. Et si on arrive à ne pas avoir de déchets là aussi, c'est pas impossible que Limoux revienne au score maintenant. Surtout ne pas se précipiter, ça voilà. Sort. Allez, ça, hop, attention, on a passé les vidéos. Ça commence mal. Le ballon est parti en arrière. Donc, il faut s'organiser là, il faut s'organiser. Allez, Liozen est à la tenue dans l'axe des poteaux sur la droite avec Lévido qui retrouve Torres qui a fait son entrée sur le côté droit derrière le tenu Liozen pour Lévido pour Torrey. Torrey qui va ajuster là sur Balbazis, le second de ligne avec une passe au pré. C'est une pénalité contre Anthony Maria, je crois, qui a été sifflée par M. Casti. Et voilà, Monsieur Castille qui appelle Anthony Maria, plaquage haut, je pense, de la part d'Anthony Maria. Et donc,
cette pénalité. Est-ce qu'on va la tenter? Est-ce qu'on va la jouer à la main? Certainement, on va la jouer à la main. On la joue à la main. Il y a encore une série, on repart à zéro là, on est à 3 mètres de la ligne. On a une occasion en or de revenir au score. Et... même de près de passer devant, allez, mais qu'à présent, Yeza. Oh, Yeza qui perd ce ballon. Voilà. Et voilà, c'est dommage là pour cette équipe limousine. Ah, Yeza qui a percuté, qui n'a pas tenu le ballon du bon côté et qui a perdu cette balle là. Limoux n'a pas su profiter de cette mêlée suivie de cette pénalité. Et Cardas pour Lézignan, ah, qui vient, mais la passe de Cardas n'est pas récupérée par Marginet. Il avait essayé de le mettre dans le trou et c'est Limoxin qui a récupéré ce ballon avec Tisser. Tisser sur le côté gauche de l'attaque Limoxin qui est pris, et ça rejoue sur les 20 mètres de Lézignan. Toreil qui va retrouver là. Devido qui retrouve son seconde ligne, c'est Torres qui est rentré là tout à l'heure. On rejoue avec Mikalesic qui essaie d'y aller en force. Il est bloqué à quelques pénalités encore contre les Lisianais pour une nouvelle faute là, une position d'hors-jeu, monsieur Casti. Dans tous les cas, c'est une faute, nouvelle pénalité contre les Lisianais. Et là, il y a un peu il y a des Lézignanais qui ont du mal à se relever et M. l'arbitre arrête le coup. Même il y a un Limoxin aussi qui est touché. Cela sur Maria, apparemment elle souffre aussi, mais il y a un joueur Limoxin, je crois que c'est Mikalesic, qui semble souffrir de la main ou des doigts là. Voilà, on a fait office. Et là, Limoux doit impérativement sanctionner parce que les Ignans, c'est la troisième faute consécutive dans leurs 10 mètres. Donc il faut que Limoux soit en capacité de sanctionner ça par un essai. Il faut franchir la ligne. Quoi. Sinon, ça va être encore un signe de fébrilité. Ou... apparemment, ils vont tenter la pénalité. Ouais. Je vois que Torrey a pris le tir. Voilà, donc, ouais. C'est un choix, mais je pense qu'il aurait fallu profiter de cette phase. Il n'y en a pas eu beaucoup. Limoux est venu dans ce camp. Mais... les pénalités, ça fera revenir à 16 à 14, mais ça ne va pas changer le cours du jeu. Quoi. Oui, alors que là, comme tu le dis, les Ignans défendaient depuis un petit moment. Ah, ça use. Après, bon, ils ont malheureusement vu que sur le coup d'avant qu'ils ont perdu le ballon très vite, donc peut-être cette fois-ci. Oui, mais c'est un signe manque de confiance, peut-être. Hein. Peut-être. Alors que là, bon, Mikalesic est soigné là-bas. C'est la main ou le poignet, je ne sais pas. On ne voit pas d'ici, mais on est en train de lui mettre un bandage. Ouais, autour de à la main, au poignet. On lui a bandé toute la main et le poignet. C'est Paul Barbazan. Ah, c'est Barbazan. Ouais, il est sorti. Ah oui, Mikalesic, oui, ils sont chauves tous les deux. Et je ne l'ai pas vu. Alors, c'est Paul Barbazan. Ouais. Tu as raison. Rafa, merci de me corriger. Et là, Toreil qui va tenter réussir cette pénalité qui permet à l'équipe Limoxin de revenir 16 à 14, deux petits points, alors que nous jouons la 33e minute ici au Stade de l'Aiguille dans ce derby de la 3e journée du championnat de France d'élite 1 avec le derby de l'Aude entre le 13 Limoxin et le Feu Selésien. 16 pour les Ignans, les visiteurs, 14 pour le 13 Limoxin. Et donc, allez, c'est Marginet qui va redonner le coup de renvoi, long coup de renvoi, très long. Alors du côté de Limoux, là, avec le soleil dans les yeux, on récupère ce ballon pour Tisser. Tisser qui arrive bien lancé, là, qui est pris, qui est mis au sol. Qui est pris derrière tenu Liozin qui va retrouver Barbaza là qui est plaqué, qui est mis au sol. Allez, derrière le tenu Liozin qui part au ras, qui accélère là, il vient défier la défense lézignanaise là. Il a gagné une dizaine de mètres, petit talonneur Limoxin, ça repart avec Tisser là, toujours vaillant, toujours qui arrive sur la ligne médiane. Jusqu'au centre du terrain, sur la gauche, là-bas, un ballon pour Toreil qui va donner un coup de pied par-dessus, sur lequel, là-bas,
Gouzy se précipite et Gouzy le récupère, il revient vers le centre du terrain pour repartir, mais il est repris par la chasse lézignanaise sur les 10 mètres du Fosseleu. Et Lézignan va construire, Limoux pardon, va construire sa pression défensive sur les Lézignanais pour les empêcher de sortir de cette zone rouge. Lézignan qui va essayer de se dégager par ses avants là avec en percussion, là on essaie de progresser. On a du mal à sortir en troisième tenue, on est toujours sur les 20 mètres dans le fermé pour Monériez, le centre qui vient chercher la bande extérieure pour gagner un peu de terrain, voilà qui est fait. Allez, ça rejoue encore là, avec toujours en percussion, là, on arrive à se dégager, mais c'est le cinquième tenue. Limoux qui a réussi à contenir les Ignans dans son camp. Marginet qui a donné un grand coup de pied donc, dans la zone du milieu, sur lequel il faut se dépêcher de récupérer ce ballon là, et ça repart là avec Flovi qui a pris l'arrière de Philippe Limoxine, avec des Lézignanais qui sont montés très vite en défense, qui sont venus le bloquer à hauteur des 20 mètres avec Morel qui essaye sa présence, c'est Lézignan qui met la pression défensive sur cette équipe de Limoux avec un jeu très agréable des deux côtés. On rappelle le score, 16 pour Lézignan, 14 pour le 13 de Limouxin, alors que nous approchons de la pause. Allez, une belle attaque là, un bon ballon avec là pour elle sur le côté qui déborde. Alexandre Morel, c'est la balle qui a remis à l'intérieur sur Torres. Et ce ballon n'a pu être contrôlé là sur cette belle attaque Limouxin. Et malheureusement, une faute, c'était, je crois que c'est Garousse qui ne peut contrôler ce ballon. Oui. Alexandre Bourrel avait bien été mis en débordement. Garousse, le centre, a suivi son ailier. Et là, c'était un essai qui pouvait une occasion d'essai qui ressemblait étrangement à la première. Et là, malheureusement, pour les Limoxins, Garousse ne peut pas contrôler la gorge. Et oui, et bien encore une fois. Limoux a du mal à être réaliste sur ses temps forts et ne parvient pas, là c'est une balle d'essai qui est manquée et ne parvient pas sur ses temps forts à concrétiser au tableau d'affichage. Allez, ça repart pour les Ignans là, mais oui c'est vrai que les occasions comme ça, il ne faut pas les laisser en route en rugby à 13, vous savez, parce que parfois on ne les retrouve pas et là derrière c'est les Limoxins qui se font pénalisé c'est Tisseir donc qui reste trop longtemps sur le tenu et M. Castille siffle une pénalité pour les Ignans qui permet à cette équipe de les Ignans de revenir dans le camp Limoxin. On va essayer de. Allez, on repart du côté de cette équipe lésignanaise avec Tristan Margalet, le frère de Thibault. Allez, ça repart. Avec à présent Marginet qui va attaquer la ligne, qui retrouve Gouache. Gouache est bien attendu là. Et bon plaquage à 3 des rouges et noirs. Limoxin derrière le tenu pour les Ignans. C'est Benos, Maxime Benos qui est rentré, qui a remplacé Lacan. Un ballon pour Cardas. Hein, Cardas hein, qui perd ses appuis sur les 30 mètres. Toujours Limoxin. Allez, ça rejoue encore avec Marginet. Marginet qui retrouve. Son seconde ligne de Guéraud qui est plaqué là, on a fait tourner évidemment du côté de cette équipe de Lézignan. Ça rejoint encore Marginet qui monte la chandelle. Attention là-bas, Morel. Un ballon qui est repris par. Essai de Lézignan. Essai lézignané là. Sur ce ballon tombé à la réception par Morel qui se masquait les yeux parce qu'il avait le soleil. Juste à plein le visage et on va voir qui a marqué du côté de Lézignan. J'essaie de repérer. Attends, il se retourne là, mais sur. Je sais pas s'il s'est pas ferré d'ailleurs. Il se retourne, mais je pense que c'est. Le second là ? Non, non, c'est plus loin là-bas. Il passe à côté d'un chien noir là. Il vient vers le centre là. Dans tous les cas, essai lézignanais sur cette balle perdue par Morel. Je crois que c'est Ferré. C'est celui qui a. Voilà, qui. Hop, qui est sur. Non, c'est pas Ferré. Non, c'est pas Ferré. Je crois que c'est le.
Sior, je crois. C'est pas le 13. C'est pas là, il est au centre là. C'est celui qui est tout seul avec, ouais. avec les. Et la transformation est réussie par Marginé, voilà, celui qui a posé sa, la bouteille. Hein. Je crois que c'est off. On va vous dire ça. Numéro 16. 16. C'est Benos, je crois que c'est Benos. Je crois que c'est Benos. Oui, c'est lui. C'est Benos. Et c'est de Benos sur. Ah, une nouvelle faute encore sur un coup de pied. Alors c'est vrai qu'il y a le soleil. Les Limouxais ont le soleil en plein dans les yeux de face. Mais on a vu Morel se mettre la main en visière. Mais il avait. Pendant qu'il avait la main, il n'avait pas les deux mains. Réceptionner ce ballon. Et la différence, c'est que les Ignans est plus réaliste quand même. Ah ben oui. Voilà, donc eux, quand ils ont eu des occasions de venir dans le camp, ils les ont prises, contrairement à Limoux. Mais qui est toujours quand même dans les coups, on est 22-14 à la mi-temps. Ça promet pour la suite. Et quand même, il y a eu en cette première période, du côté de Limoux, beaucoup d'occasions loupées, mais aussi des occasions données. Hein, parce que il faut reconnaître que les Ignans ont quand même marqué des essais suite souvent à des fautes de cette équipe limouxine. Ça fait deux ballons tombés, un ballon récupéré à la limite des ballons morts là-bas qui avait le renvoi derrière sous les poteaux qui coûte l'essai. Et donc 8 points d'avance pour cette équipe de les Ignans qui refait à nouveau au moment où la sirène retentit. Et donc, 22-14 pour cette équipe de Lignan, avec 4 essais contre 2. Et une équipe de Limousine qui va devoir serrer, faire moins de fautes en cette seconde période. Tout à fait, je crois que les deux équipes ont eu leur temps fort, leur temps faible. Les Lignan aussi a eu une mauvaise passe. Mais la différence, comme je l'ai dit, c'est fait là, c'est que les Lignan a fait preuve de plus de réalisme et n'a pas laissé passer les occasions qui se sont présentées, et contrairement à Limoux qui s'est montré un peu fébrile à la conclusion. Mais bon, c'est que la mi-temps et il y a encore du chemin. Allez, donc on se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour cette seconde période. Prendre la parole pour cette mi-temps, comme vous avez vu, hein, un beau match, de l'engagement. Bon, pour l'instant, Limoux est à la souffrance, mais bon, il y a une seconde mi-temps, hein, on a fait que la moitié du temps, donc il reste encore pas mal de temps. En tout cas, quoi qu'il arrive, on ne peut que féliciter tous les joueurs sur le stade. Il y a vraiment, vraiment une belle partie engagement, donc qui nous font de toute façon honneur. Donc, monsieur le maire, un petit mot, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Mais comme on disait tout à l'heure, c'est un derby qui montre encore une fois l'importance de ce genre de rencontre. Deux équipes d'un très bon niveau, deux équipes qui s'expriment, qui nous donnent du jeu, qui se respectent. Et on voit là aujourd'hui ce qu'on aime dans le rugby, du mouvement, des passes élaborées. Et surtout, ce qui me surprend beaucoup, c'est cette rapidité de jeu. Je crois qu'on a, que ce soit les Ignans d'ailleurs ou Limoux, ce sont deux équipes qui sont en grande condition physique. Et ce début de saison laisse présager quelque part un très beau championnat pour les uns comme pour les autres. Je crois, Président, que vous pouvez être fier déjà du travail que vous avez accompli. Et en cela, encore une fois, vous avez le soutien, bien sûr, de toute cette ville qui s'anime aujourd'hui et qui, grâce à l'action que vous avez souhaité mettre en place, permet aux aficionados de pouvoir, de leur domicile, profiter également de cette rencontre.
apprécier bien sûr le soleil comme on est là et cette pelouse président exceptionnelle de grande qualité. Enfin, moi aujourd'hui je suis fier pour vous, pour vos joueurs d'être aujourd'hui aussi performants. C'est une reconnaissance quelque part. Et aux côtés de notre partenaire qui est Veolia, c'est l'occasion de dire au monde économique que le sport, c'est ça, c'est du partage, c'est de la solidarité et qu'on ne peut le retrouver que dans un échange tout à fait particulier entre ce qu'est l'entreprise combative, l'entreprise réactive qui sait également se retrousser les manches. Et dans cette période-là, on voit que le sport de haut niveau, et le 13 a été salué comme un sport de haut niveau, on peut être fier. Vous avez défendu cette démarche-là, président, depuis de nombreuses années. Mais c'est aussi pour vous une reconnaissance. Le monde de l'entreprise, c'est aussi le monde du sport. Et le sport, c'est aussi une véritable entreprise qui fait son économie. Merci. Exactement, monsieur le maire. Et je précise que les deux tiers des joueurs qui évoluent sur le stade sont issus de la formation Limouxine. Donc ça aussi, c'est une grande fierté pour nous. Notre partenaire, Veolia, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Bon, pour l'instant, tu es un peu déçu, je suppose, que du score. Non, Donc, oui, tout à fait, match équilibré avec, comme l'a dit monsieur le maire, de superbes actions, avec de beaux essais assez rapides. Donc voilà, le match est équilibré, il fait beau, c'est agréable. Je pense que les internautes profitent aussi du spectacle. Et voilà, nous, on est contents d'être là aussi pour profiter avec eux. Voilà. Mylène, des résultats un peu sur... Là, on est à presque 800 vues. Bon, après, c'est vrai que c'est tôt. On est à 800 vues sur les réseaux. Il y a quand même pas mal de commentaires. Hein. Le match a l'air de plaire beaucoup. Je regarde les commentaires en même temps, excusez-moi. Bon, après, c'est tôt pour que les gens se connectent. Mais j'espère qu'il y aura aussi des personnes qui se connecteront après pour bien regarder le match. Voilà. Et continuez à nous suivre. Merci. Merci. À tout à l'heure, à la fin du match. Allez, Limoux. Près de quelques minutes parce que pour remercier quand même nos partenaires, leurs partenaires officiels, que ce soit Souhaité Actis, Bac Immobilier, Brasserie de l'Aude, C2C Pyrénées, Cabinet Comptable, CGB Diffusion, l'entreprise Colas TP, la conserverie Emmerich, Crystal Car, La Cavale, L'Anne des Joyeuses, McDonald's, Monsieur Bricolage, O'Neill, Red and Black, l'entreprise Robert, entreprise SARL Paul Mas, la Sœur d'Arc, bien sûr, partenaire historique, Via Santé Mutuelle, le 22. Merci déjà à vous, et puis je vais continuer un peu plus tard, parce qu'il faut essayer de remercier un peu tout le monde, et surtout faire un petit coucou un peu à tout le monde. Je pense bien sûr à ABC Concept, à Badi Jean-Louis, à Deymar Elex, Sol, à Lamo, à Larry Boulangerie, à MD Informatique, ANG Auto, Assurance Aparicio Generali, Assurance Area, ODTP, Autocontrôle, AXA Assurance Céline Bac, Bâti Rénov, Bellotti, et je reprendrai la liste un peu plus tard. Je veux remercier chaleureusement également le conseil départemental de l'Aude. Vous êtes localement sur Limoux, voir M. Bardiès et Mme Taillant. Le conseil régional, Frédéric Andrieux, merci à eux de nous avoir soutenus et puis avec ces aides complémentaires qui nous ont été attribuées.
Et puis aussi remercier le monsieur le sous-préfet de la ville de Limoux, puisque c'est quelqu'un, cette personne est à côté de nous dans toutes ces procédures, ces démarches qui sont, je peux vous assurer, pas faciles à mettre en place, pas faciles à savoir ce qu'il y a. Donc merci monsieur le sous-préfet. J'espère vous recevoir quand vous nous recevrons très prochainement au stade. J'espère que le match vous plaît. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis également, il y a beaucoup de remerciements à faire. À tout à l'heure. Alors c'est la reprise pour ce derby, avec une précision, c'est que je me suis rapproché un peu du micro parce que mon ami Jean-Pierre Blois m'a fait savoir qu'il avait du mal à m'entendre. Alors soit c'est moi qui étais un peu loin du micro, soit c'est lui qui avait quelques problèmes d'ouïe, je n'en sais rien. On va voir si c'est un peu mieux cette seconde mi-temps. Allez, donc rappelons le score à la mi-temps, 22 pour le Feuste Lézignan, 14 pour le 13 de Limoxin, avec des essais pour Lézignan de Solé, de Gouache, de Ferré et de Benosse, avec 3 transformations de Marginé. Du côté du 13 de Limoxin, essai de PO, de Maxime PO, et essai de Morel avec 2 transformations. De Toreil et une pénalité de Toreil également. Donc ça va être les Ignanais qui vont donner le coup d'envoi en cette seconde période. Les Ignanais qui va jouer à présent soleil dans les yeux en attendant que celui-ci se cache, mais ils vont avoir quand même, compte tenu qu'on joue très tôt, que pile 15h. Voilà, la sirène a retenti. Et ce grand coup de pied à la réception, bon ballon pour Tisseir qui vient percuter. Ancien joueur qui a porté longtemps les couleurs de Lézignan, il devait prendre la retraite et puis il est venu s'installer du côté du 13 de Limoxin avec à présent également Barbaza. On revient là après Yeza également, on fait jouer le milieu, les avants dans la zone du milieu du côté de. Et on revient avec Tisseir encore, là ça avance, la belle progression là, de Tisseir lancé qui a permis à cette équipe de Limoux d'arriver sur la ligne médiane avec Lévito, là-bas, là, un ballon pour Torres, c'est passé, et Garouste qui perce, oh, qui donne le ballon sans regarder à l'ailier Lézignanais qui se repliait
au lieu de encore une occasion Rafa de cette équipe limoxine. Pourtant, c'était magnifiquement joué. Tout à fait. De nouveau, ils sont dans le ton et au dernier moment, il y a toujours une erreur qui empêche de concrétiser. Là, s'ils donnent un bon ballon à Alexandre Bourrel, il n'y a pas photo et Limoux revient au score. Ouais, là, bah, peut-être que le joueur lésien a été un peu vicieux et l'a appelé, je ne sais pas. Mais il n'a pas regardé, il a donné ce ballon sans regarder. Et ce, le joueur qui était le plus près de lui, c'était un lésianais. Allez, c'est reparti. Grosse nouvelle, grosse occasion que Limoux laisse en chemin. Alors, je voudrais à cet instant avoir une pensée pour quelqu'un qui nous a quittés. Alors que là, Lézignan, avec un contre-balle qui va être rendu au Lézignanais. Oui, une pensée pour mon ami Robert Rocalve, de Radio Marseillette, qui nous a quittés il y a maintenant un peu plus de 2 ans et qui aurait été extrêmement heureux, lui qui avait le cœur, le rouge et noir chevillé au cœur et qui aurait aimé être là, ici, installé à ce poste de commentateur, qui aurait adoré, lui aussi, lui qui avait tant commenté pour Radio Marseillette, ce club rouge et noir. Et j'ai une pensée pour lui et puis pour sa chère Christine, sa famille, son frère et toute sa famille. C'est souvent que nous pensons à Radio Marseillette, à la presse de production, à nos amis Robert et Anna Roque également, qui venaient souvent dans ce stade de Limoux. Allez, donc c'est reparti pour Lézignan qui rentre dans le camp Limoux avec un gros plaquage là. Beau tampon là du Barbaza. La pas de Barbaza qui a mis le joueur lésignanais sur le dos. Ah, attention, perd les appuis du côté du joueur de Lézignan. Là. Allez, attention de ne pas retarder le tenu du côté de Barbaza. Ça revient là avec en percussion. Le joueur du Feuseleux dans l'axe, on se rapproche. On va écarter ce ballon. Benos à la manœuvre qui retrouve côté coup de Pirazan de gauche et qui est récupéré. Ah, monsieur Castille n'accorde pas l'essai, il estime que le joueur lésignanais était parti en position d'hors-jeu. Je crois que c'était Stakul. Stakul qui était parti. C'est lui qui avait récupéré ce ballon sur ce coup de pied de marginé. Mais monsieur Castille était idéalement placé là et il a sifflé la position d'hors-jeu, c'est-à-dire qu'il était parti devant le buteur. Allez, pénalité qui permet à cette équipe limoxine de repartir. Ah, occasion lésignanaise là, bon, mais M. Castille était idéalement placé. Il était bien placé, mais encore une fois, c'est un avertissement. Il ne faut pas laisser jouer ces lésignanais qui sont dangereux sur la ligne. Allez, Barbaza, ça repart. Lévito qui fête la passe, qui est bien rentré à la défense. Plus le match avance, plus le demi de mêlée australien prend des initiatives là. Lui qui a quand même à remplacer, il a un gros pari parce que l'année dernière c'était Nona qui était un grand joueur. Mais lui, semble l'avoir, on le voit à la manière, en fait, il a des qualités, c'est son premier match. Allez, ça repart, tout ballon jusqu'à Garoust. Là. C'est le cinquième tenu derrière. Correille qui monte la chandelle là-bas avec un ballon qui est repris. Et marqué, C'est Garouste, je crois. Ouais, c'est Garouste. Et c'est de Garouste là, sur cette chandelle là. Et à la réception, il va lui piquer. Il va piquer le ballon sous le nez de Solé. Et il lui prend le ballon pratiquement dans les mains pour marquer, pour plonger. Voilà. Et c'est alors dès là. C'est la cinquième. 45e minute. Et c'est de Garouste là. Qui, sur cette belle chandelle de Toreil, de demi d'ouverture de cette équipe limoxine. On s'aperçoit que le jeu au pied est très important aujourd'hui, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de points qui sont marqués, des essais qui se terminent avec ce soleil qui est là-bas. Maintenant, c'est les Lézignanais qui vont l'avoir en particulier. C'est au même endroit où Morel et Limoux qui étaient donc bien gênés par le soleil. Eh bien, c'est autour du jeune Solé de subir la même punition sur ce très beau coup de pied d'Antoine. Et oui, ce qui va permettre certainement aux Limoussins de se relancer, de montrer que dès qu'ils maîtrisent un peu le jeu et le ballon, ben ils sont en capacité de rivaliser avec cette équipe de Lézignan.
Ah, dommage pour Limoux, là, parce que la transformation était tout à fait dans les cordes du demi-d'ouverture à l'entoreille, mais le ballon passe devant les poteaux, parce que rappelons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vent. On rappelle l'essai de Quentin Garouste, numéro 17, partenaire garage Limoxin. Allez, donc ça nous fait 22 pour Lézignan, 18 pour le 13 Limoxin. Allez, le coup de renvoi de Marginé, coup de pied tendu. Allez, en récupération du côté Limoxin avec Tisseir, qui se lance, qui vient plaquer, qui a réussi à sortir ce ballon des 10 mètres là. Bonne défense du côté Lézignanais, ça repart encore là avec Torres au milieu, je crois, qui vient prendre ce ballon. Allez, Liozin pour Iesa. Iesa attendu par trois avant, mais qui résiste, qui tient debout et qui progresse quand même encore quelques mètres. Liozin avec un démarrage d'Alexandre Borrell derrière le tenu là, qui lui, avec tous ses appuis, gagne une dizaine de mètres, porte le ballon pratiquement sur la ligne médiane avec les vidos qui donnent un grand coup de pied qui va aller en ballon mort là-bas. Oui, un peu trop long ce ballon, et donc ça va permettre à cette équipe de Lézignan de repartir aux 20 mètres. Un coup de pied un peu trop long, mais trop, un peu trop fort, et Lézignan repart avec Ouzi qui est pris, qui est mis au sol derrière le tenu. Ça rejoue sur le côté droit avec Stacul qui tombe sur une belle défense de Limoux. C'est la tenue à ordonner monsieur Casti. Ballon à présent pour Albert, Lilian Albert qui est venu percuter là. Allez, Benos dans le fermé pour c'était Cardas qui est plaqué, qui joue très vite le tenu. Il va chercher Ferré, intelligemment va chercher le joueur du Mouxin qui n'était pas resté dans l'axe, et il obtient la pénalité sifflée par monsieur Casti qui est botté en touche. Ça permet à cette équipe de Lézignan de revenir sur les 20 mètres. Allez, on va jouer le temps pénalty. On allonge la passe pour Marginé qui croise là à l'intérieur avec un de ses avants dans l'axe des poteaux Limoxin. Benos qui revient sur le côté droit avec Marginé, passe tous les ballons. Cardas, oula, qui a oublié Valentin Ferré, qui a préféré conserver ce ballon alors que Valentin Ferré était venu lancer comme une balle. Et ça rebondit, ça repart avec le numéro 13, Lilian Albert. Lilian Albert qui est pris, qui va revenir en l'air. Le jeune ailier Limoxin, Tony Morel a été chargé en l'air là. Il avait bien récupéré ce ballon, il a été bousculé par les Lézignanais. Et donc c'est une pénalité sifflée par M. Castille, tout à fait logiquement. Oui, on repart un peu comme en première mi-temps, puisque Limoux a de nouveau ouvert le score dès l'entame, et que Lézignan est en train de nouveau d'essayer de renverser la vapeur en revenant dans ce camp Limoxin, dont il faudra impérativement sortir pour éviter à Lézignan de creuser le trou. Allez, c'est reparti Limoux qui a le ballon en main, qui essaye de remonter ce terrain là avec président Liozin qui retrouve Valentin Iesa qui rafute un premier joueur, qui retient debout un deuxième. Hein. Ils sont trois Lézignanais pour mettre au sol le pilier casqué du 13 de Limoxin. Ça repart là-bas avec Lévido qui retrouve à l'intérieur là. C'était son arrière Flovi qui était venu se proposer, qui est mis au sol sur les 40 mètres. On rejoue avec à présent à nouveau Iesa dans l'axe là, qui vient charger, c'est le cinquième tenu, là il faut jouer le tenu un peu plus vite. Lézignan s'est replacé, Torreille qui monte la chandelle là, à la réception Cardas, non, le ballon a été renvoyé en avant par les Limoxins, et voilà, ça va être un ballon qui va être rendu aux Lézignanais, comme on était dans le dernier tenu. Les Lézignanais vont repartir sur leur 10 mètres par un tenu de transition, et Limoux va construire sa pression défensive là sur cette zone rouge lézignanaise, essayer de les bloquer au maximum pour
les faire reboter pour récupérer ce ballon le plus haut possible dans le camp lésignané. Allez, c'est Cardas qui s'y colle pour les joueurs du Feuseleu qui mènent au score, rappelons-le, de 4 petits points, 22 à 18. Dans ce derby audois, ce premier d'or, début audois, de la saison avec Stacule. Stacule qui progresse, là, qui est mis au sol. D'ailleurs, le tenu Gouache qui joue un grand coup de pied, qui va lober Fabien Flovy, et qui celui-ci récupère ce ballon, va essayer de faire parler sa vitesse. Et il est pris sur la sortie de ses 10 mètres. Avec on joue vite derrière avec Morel, derrière le tenu pour gagner quelques mètres supplémentaires là. Allez, on repart là dans le fermé, là, avec, mais on n'avance pas. Du côté Limouxin, on est un peu bloqué dans son camp. Ah, Torreille qui verse ce ballon là, attention. Récupération lésignanaise. Monsieur l'arbitre laisse l'avantage. Et ça repart pour Lézignanais, un bon ballon de récupération de Lézignan sur les 30 mètres Limouxin. Là. Et Lézignan à présent a une bonne balle là pour les Verts et Blancs. On va jouer là avec en percussion, là on essaye de... C'est Horst qui essaye d'y aller là, en puissance il est pris. Et on va sortir ce ballon Benos qui allonge là-bas pour Gouache. Pour Cardas pour Bonnériès qui remet à l'intérieur à Cardas, c'est bien joué avec un passage à vide ainsi que M. Castille va siffler obstruction de Lézignanais là qui ne profite pas de cette belle occasion et donc ça va permettre à cette équipe de Limoux de se dégager. Et oui, ils sont un peu en souffrance par rapport à la première mi-temps pour ce qui est de conclure. Maintenant, il faut quand même préciser que Lézignan n'a eu qu'un match dans les jambes depuis le début de la saison. Ils par le virus et ont passé une semaine sans s'entraîner. Et Limoux, si c'est leur troisième match, sont encore aussi en rodage comme beaucoup d'équipes. Et quand même, le niveau est intéressant. Match très agréable à regarder et à commenter. J'espère que vous régalez vous aussi, supporters des deux équipes, mais d'une façon beaucoup plus large, spectateurs du rugby à 13. Alors que là, M. Castille vient de siffler une pénalité pour Lézignan, et puisqu'il arrête le chrono, puisque je pense qu'il va parler aux joueurs, rappelons que tout à l'heure, à 16h, bien à la fin de cette rencontre, vous pourrez suivre en direct sur Via Occitanie, un très beau match aussi, l'affrontement, le match qui se déroulera au stade Max Rouzier à Villeneuve-sur-Lot, et le très bel affrontement qui verra Villeneuve-sur-Lot recevoir Avignon, ces deux équipes qui ont débuté par deux victoires, une victoire chacun, pardon, Villeneuve-sur-Lot face à ces mêmes Lézignanais à Max Rouzier justement, et puis Avignon qui était allé s'imposer à Albi, donc... un beau duel que vous pourrez suivre cette belle après-midi télévisée de rugby à 13 à cette période de Covid. Mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, il faut féliciter les clubs des efforts qu'ils font pour satisfaire leur public et les partenaires pour permettre à tout le monde de voir un maximum de matchs grâce aux réseaux sociaux ou à Via Occitanie. Et puis la fédération évidemment qui a pris tout son cours là, avec cette négociation de toutes ces rencontres avec la télévision via Occitanie. Allez, Lézignan, après la pénalité, est revenu sur les 10 mètres là. On écarte un bon ballon, un ballon qui n'est pas que marginé, ne peut contrôler. Et oui, monsieur Castille a tardé un peu à siffler, mais bon, il y avait quand même un gros en avant. Il aurait été étonnant que monsieur Castille ne siffle pas. Comme il n'y a pas trop de public dans les tribunes, ça n'a pas trop crié comme d'habitude. Oui, c'est sûr. Allez, donc c'est quand même Lézignan qui campe un peu, qui possède le ballon, qui grâce aux fautes des Limouxin, mais qui n'arrive pas à marquer, tu le disais tout à l'heure, Rafa. C'est pas comme en première période. Attention, une belle attaque là-bas de Limoux sur ses 10 mètres, hein, qui a bien pris là, un ballon qui est arrivé jusqu'au côté opposé. À Garouste, et il n'a pas pu, il y avait un 2 contre 1, mais il n'a pas pu, on l'a bien ceinturé
avec Rouge qui revient dans le milieu là, où il est pris par la défense des Ignanaises. Allez, ça rejoue là-bas sur le côté droit avec Torres, je crois. Benjamin. Vergnol qui vient de revenir, Benjamin Vergnol. Torres l'avait remplacé tout à l'heure. Allez, ça écarte un ballon là, un champ de Rouge pour Yeza. Yeza qui est pris. Il va falloir mettre peut-être un peu plus de volume dans ce jeu d'Imouxin. On revient souvent dans le milieu là. Allez, Rouge qui va retrouver Torres. Torres qui feinte la passe, qui est pris sur les 45 mètres, mais c'est le cinquième tenu. Allez, un ballon pour Lévido qui donne un grand coup de pied que Cardas va reprendre de voler sur ses 10 mètres. Et c'est reparti pour les Lézignanais qui mènent toujours sur ce score de 22 à 18 depuis la 45e minute, alors que nous jouons là depuis seconde période, presque 55 minutes. Allez, ça repart du côté de cette équipe de Lézignan qui essaye de progresser, qui est mis au sol sur ses 30 mètres. Allez, on va jouer là avec une percussion au ras très proche du tenu, bien bloqué, bien défendu par avec Mika Lézic. Là, cette fois-ci, c'est Mika Lézic qui a fait son retour. Voilà. Et joli, attention, 40-20. Bien tenté, bien réussi par Marginet. Attention, une sortie là. À l'intérieur des 20 mètres lézignanais, on va repartir, on le rappelle, par un ballon joué par un tap, une espèce de tap pénalty. On ne fait plus de mêlée sur les 40-20. Et ça joue Bonnerias qui le joue pour lui-même, qui va chercher le fermé, qui va essayer de faire reparler sa puissance. Il est pris à 2 mètres de la ligne d'un but. Feinte de passe derrière le tenu, c'est Lacanze, je crois, qui va. Oui, c'est Lacanze qui va marquer cet essai. Je crois que c'est lui. Ouais, il venait de faire son entrée. C'est la canne. Voilà, il venait de faire son entrée il y a juste une paire de minutes. Il était revenu à la place de Benoît. Hein. Et suite à cette 40-20, eh bien, essai de la canne qui part derrière le poteau, derrière le tenu, pardon, après la percussion de Bonnerias. Mais encore une fois, une 40-20 qui est souvent une arme fatale. Hein. Pour Henri Biatrez, hein. Une magnifique 40-20 de Marginet permet donc à cette équipe de Lézignan d'inscrire un nouvel essai et de reprendre à nouveau 26-18. Ça pourrait faire du 28-18 si Marginet, puisque l'essai a été marqué à une quinzaine de mètres sur la gauche des poteaux. 58e minute et transformation de Marginet qui est métronome aujourd'hui au pied, et Lézignan à présent qui mène 28-18, 10 points d'avance. Rafa, bon, c'est Limoux là, va devoir mettre les bouchées doubles. Et c'est maintenant qu'il faut venir réussir, il reste 20 minutes, Lézignan s'est mis à l'abri de laisser transformer. Il faudra donc marquer deux fois pour espérer gagner ce match. Et il y a les dernières 20 minutes qui vont être déterminantes pour les deux équipes. On avait mis l'accent tout à l'heure, première période, sur cette charnière. Et puis sur ce trio avec le talonneur, Lacanze du côté de Lézignan, et auquel j'avais même ajouté Cardas, hein, puisque sur l'épine dorsale lézignanaise. Et c'est vrai que quand on regardera le décompte des points et la façon dont ils ont pesé sur le match, et bien on s'apercevra que nous étions dans le vrai tout à l'heure. Hein, parce que, et encore, bon, ben on verra que, bon, on a vu Benoît également tout à l'heure, et qui avait remplacé Lacanze au poste de talonneur, a marqué également son essai. Et voilà encore Lacanze qui essaye de partir, de se faufiler là, au ras du tenu. Et on verra que dans cette équipe lézignanaise, eh bien, cette épine dorsale, en plus, a connu magnifiquement le jeu avec un très bon ballon libéré par Lilia Albert pour Stakul. Stakul qui est pris par trois défenseurs. Limoxin, c'est le cinquième tenu sur les 40 mètres. Blanquetier avec Marginet. Marginet qui va encore monter une chandelle à la réception là-bas. Attention, le ballon, le Florida ne l'a pas repris le volet. Et heureusement qu'Alexandre Bourrel est revenu pour mettre ce ballon en ballon mort, parce que
Ah, attention, le ballon reparti vers les mains lésignanaises. Le rebond était reparti vers le terrain, vers l'intérieur du terrain. Et heureusement que Alexandre Bourrel est revenu pour mettre ce ballon en ballon mort. Sinon, ça pourrait faire mouche à nouveau pour les lésignanais. Ah, il faut que les Limouxins soient un peu plus vigilants sur ces balles hautes de Marginal. Et oui, mais sur le coup, on rend le ballon à Lézignan qui revient bien sûr dans le camp de Limoux, qui reste même, hein, puisque ça fait un petit moment qu'ils y sont. Et il va falloir serrer les boulons du côté Limouxin. Allez, c'est reparti Lézignan qui presse, qui est sur les 30 mètres. 28 à 18 pour les visiteurs lésignanais dans ce derby. Allez, on repart avec Horse dans la zone du milieu, là on avance. Du côté des verts et blancs, du Lézignan, on va jouer sur le côté droit là, avec Gouache pour Marginet avec à présent Ferré qui a essayé de se faufiler, qui joue au centre, bien qu'il porte le numéro 6. Allez, Marginet là pour Lilia Albert dans la zone du milieu, c'est le cinquième tenu sur les 10 mètres avec un départ de la casse. Ouh, qui est bloqué sur le tenu, il a pu passer le ballon. Oh, et c'est, je crois, de la 15 encore au pied des poteaux. Au pied des poteaux, 63e minute. Nouvel essai de la 15 qui marque là au pied des poteaux. L'essai qui pourrait faire mal à cette équipe limousine. Hein, parce que la transformation ne devrait pas poser de problème là pour Marginet. Ça pourrait, là, on pourrait passer à 34 à 18. Attention, c'est les Ignanais, même s'il reste encore 20 minutes à jouer, ils sont en train de s'envoler. Et là, leur domination territoriale et en termes de possession de ballon finit par payer. Là. Oui, et encore une fois, on accuse le coup, semble-t-il, physiquement, parce que Lacan, deux fois oral en quatre petites minutes, ça coûte 12 points, et maintenant ça devient lourd, 34 à 18. Ça va être très compliqué pour les Limousins d'inverser la vapeur. Vous savez, on va redonner un coup de renvoi, mais c'est 34 à 18, allez, il reste, on sait que tout est possible. Hein. À 13, rien n'est joué pour les Ignans, parce que on en a vu d'autres. Hein. Il reste 20 minutes, il peut se passer beaucoup de choses, mais on ne sent pas cette équipe. Cette équipe limousine se révolter à cette zone de mi-temps, et même y compris dans sa façon de jouer. Elle manque un peu. On a vu quand même que pour elle aussi, le salut pouvait se trouver au large en mettant de la vitesse, puisque quand ils ont porté ce ballon vers les extérieurs, ils se sont créé des occasions, ils ont marqué, mais également ils se sont créé des occasions qu'ils n'ont pas réussi à pointer. Ils pourront peut-être regretter quelques occasions laissées en cours de route et peut-être aussi quelques ballons donnés, quelques erreurs. Mais en fait, donc, il faut à présent, en seconde mi-temps, il faut qu'ils sortent un peu de ce jeu un peu stéréotypé dans la zone qui les confine dans la zone du milieu, à mon goût. Hein. Pour l'instant, c'est les Ignans qui avancent, qui arrivent jusqu'à la ligne médiane. Les Ignanais qui progressent bien, qui eux varient leur jeu devant, derrière, un jeu et puis un jeu au pied ajusté magnifiquement par Marginet, qui trouve encore une belle touche qui renvoie en permanence l'équipe de Limoux sur ses 10 mètres. Limoux va récupérer le ballon, mais ils vont avoir 90 mètres à remonter. Donc le jeu au pied de Marginet, de Gouache, de la 15 aussi qui vient. Ou de Benoît tout à l'heure, eh bien, pose des problèmes par la variété des coups de pied, par la variété des buteurs. On a un peu de mal du côté de l'arrière défense limousine à lire ces coups de pied. Et dans tous les cas, même là, lorsque ce n'est qu'une touche qui a été trouvée, eh bien, Limoux va être obligé de repartir très loin dans son camp. Et oui, et là, encore une fois, cette charnière est marginée, joue très bien le coup quand. Quand ce n'est pas des ballons de récupération sur des fautes, il a un jeu au pied performant qui maintient les Limousins dans leur camp et c'est très bien joué. Quoi. Allez, Limoux qui a la manœuvre, qui a réussi à avancer là, qui progresse bien là jusqu'à ces 45 mètres là, avec
intermédiaire de maintenant à présent Toreille qui va retrouver Lévido, la longue passe de Lévido pour Garouste. Garouste qui met la défense, qui a pu donner ce ballon derrière, mais derrière Alexandre Bourrel commet un en avant sur ce ballon sorti par Garouste. Il ne peut pas le récupérer, il était un peu bas, il est arrivé à hauteur des tibias et Alexandre Bourrel ne peut pas le relever, il commet un en avant. Ah, ça va être très, on rentre très vite le ballon, hein. On ne construit pas du côté de Limoux, on se précipite. Alors c'est vrai qu'il y a du retard, mais bon, 16 points, c'est pas non plus la mer à boire, mais il faut être patient aussi en Rivière 13, essayer de s'approcher, de construire ses actions. Alors que là, on repart du côté des Ignats avec Lilia Albert. Lilia Albert qui est pris juste au centre du terrain, Limouxin de l'aiguille, mais ça repart derrière avec Lacanze qui va retrouver là. Margalé. Thibaut Margalé, là, qui est bien plaqué par Yeza et par Rouche. Et Margalé a tombé le ballon. Ah, c'est Thibaut ou Tristan Margalé. Ah, c'est Thibaut Margalé, là, qui était sorti en première période en se tenant un peu la cheville. Il est bien revenu. Et là, les Ignanais se font pénaliser puisque ils ont rouspété auprès de M. Castille. Je pense qu'il devait réclamer un arrachage. Monsieur Castille avait sifflé un en avant et il transforme en pénalité qui permet à cette équipe du Limoxin de revenir sur les 30 mètres. Allez, maintenant avec Tisseire qui est plaqué là. Allez, derrière le tenu Bousquet, Rouche en pivot pour Lévido là-bas. Allez, oula, avec un plaquage haut, attention. Un plaquage haut sur... joueur limoxin, là c'est un énorme plaquage haut de la part d'un joueur lésignanais. Monsieur Castille a sifflé, hein, se préoccuper de... Voilà, non, c'est pas... Le joueur limoxin est assis, donc de suite... parce que voilà, il y a un gros plaquage, et c'est un jaune, un carton jaune qui est donné à Bonnériès. Jaune à Bonnériès, dont Lézignan... pour ce plaquage haut, mais c'était une cravate, hein, disons-le, hein, parfois il y a des plaquages haut, mais là il y avait vraiment, il a bien roulé son bras autour du joueur Blanquetier, donc Limoux va jouer en supériorité numérique, alors que nous jouons la 66e minute, nous rentrons dans un dernier quart d'heure, allez Valentin Yézac qui revient au milieu. Et là, on est en point de fixation sur les 10 mètres des Ignanais en rejoignant le fermé. Là, avec Lévido, l'Australien, qui s'arrache et qui va marquer l'essai. Ah, très bien, qui a pris tout le monde comme contre-pied. Essai de Lévido, là. Immédiatement après la pénalité, eh bien, le demi de mêlée australien qui dispute son premier match pour le 13 de Limoxin, eh bien, comme je disais tout à l'heure, qui... progressivement, on le voyait de plus en plus dans cette rencontre. Et bien là, il feinte, il fait semblant de partir à droite, vous avez vu, puis il revient vers l'intérieur et résiste au plaquage en plus de deux Lézignanais et va marquer en bonne position. Allez, ça permet à cette équipe de Limoux, si Toreille met ça lui permettrait de revenir à 10 points en attendant la transformation de Toreille. Et c'est une des rares fois où Limoux s'est monté réaliste. Voilà, un surnombre suite au carton jaune de Bonnériès. Et dans la minute qui suit, on profite de cette situation pour concrétiser. Et c'est comme ça qu'on peut avoir gain du match, quoi. Maintenant, les minutes sereines, et c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Le partenaire du marqueur d'essai, Elie Lévido. Établissement Robert, transformé par Alain Toreille, du bar, restaurant, le 22 sur la place de la République. Allez, 24 pour Limoux, 34 pour Lézignan, 10 points d'écart. Il reste un peu moins d'un quart d'heure. Ouais, 12 minutes. Une douzaine de minutes, tout est possible là. Et on a vu le talent de ce futur
de ce futur excellent joueur que va être le demi de mêlée Lévido, parce que alors que le ballon a été lâché et il m'avait semblé que le ballon était parti en arrière, Tisser avait perdu le ballon, mais monsieur Casti estime qu'il y a en avant, et donc c'est une mêlée qu'il a sifflée pour les Lézignanais. Premier tenu, ballon perdu. Ah oui, premier ballon, ça c'est quand on vient de marquer comme ça, qu'il faut revenir plutôt dans les 20 ou 30 mètres adverses, eh bien, on perd le ballon sur ces 20 mètres. Ça peut être cher parce que les Ignans peuvent en profiter pour remettre de nouveau les gaz. Allez, on va revenir pour les Ignans là. Dans tous les cas, au pire, on va faire tourner le chronomètre puisqu'on a une infériorité numérique. Mais on va essayer quand même de remarquer avec Lilian Albert en percussion qui est plaqué sur les 10 mètres Limouxin avec Marginé pour Stacule, Cyril Stacule qui est pris, qui est rentré dans les 10 mètres Limouxin. Et on écarte avec Marginé qui va rouler avec une grosse charge là. À nouveau de Lilian Albert là, qui est plaqué avec Lacan pour Marginé. Petit coup de pied de Marginé. Et là, glissé et c'est laissé de Gouzy qui va être accepté. Voilà. Ah, Rafa, tu l'avais senti, hein, tu l'avais senti sur cette perte de balle, premier tenu là. Immédiatement, ça se paye cash. Et oui, finalement, de nouveau, c'est le réalisme lézignanais. Même en sous-nombre, ils ont vite rendu la monnaie de la pièce au Limousin. Et là, je pense qu'ils se sont mis à l'abri pour sortir vainqueur de ce derby. Quoi. Et oui, on a encore un coup de pied excellemment dosé par Marginé, un coup de pied rasant Et derrière, on a Morel qui glisse, qui perd ses appuis dans l'embute. Et Gouzy, eh bien, son vis-à-vis, qui plonge juste au coin du fond d'embute et de la ligne de touche et qui marque. Allez, et donc, ça permet à présent au 13e Limouxin de mener 38 à 24, puisque la transformation n'a pas été réussie. Il n'en a pas loupé beaucoup. Hein. C'est la deuxième, je crois. Son deuxième coup de pied. Marginé loupe, mais 38 à 24. Allez, 14 points. Et il reste une grosse dizaine de minutes. Et dans l'histoire, c'est Marginé qui aura pesé beaucoup sur cette rencontre. Tant dans l'organisation et un jeu au pied très performant. Qui a souvent fait mouche et remis son équipe dans le droit chemin. Ah oui, je crois que tout à l'heure, on va élire, enfin, chaque équipe va être élue. Je crois que du côté des Lézignanais, il n'y aura pas photo. Ils tiennent la corde. Oui. À notre avis, ils tiennent la corde. Mais bon, allez, les Lézignans qui récupèrent le ballon. 38 à 24. Ah, mais ça, Limoux qui venait de marquer cet essai, qui revenait à 10 points, qui immédiatement sur le premier contact perd le ballon dans ses 10 mètres. Ça se paye souvent cash à 13. On l'a vu alors que là, Lacans démarre derrière le tenu aussi. Thomas Lacans fait un gros match à ce poste de talonneur. Et Marginé encore qui monte une chandelle. Et Florio, à nouveau un plaquage. Plaquage haut sur Flovic. Ben, bien sûr, Flovic sur la prise de balle avait légèrement fléchi les genoux, mais là, bon, c'est Ferré qui fait un plaquage haut, qui le prend haut dans tous les cas. Monsieur Casti a sifflé la pénalité. Il n'y aura pas de. Non, monsieur Casti a arrêté le chrono. Donc, est-ce que Monsieur Castine va discuter avec son arbitre? Est-ce qu'il va sortir une biscotte ou pas? Parce que je ne sais pas si son arbitre de touche ne l'a pas appelé. Apparemment, Monsieur Castine, pour l'instant, elle se préoccupe
de la récupération de Fabien Fauvy. Bon, ça y est, il se relève, mais bon, même s'il a légèrement fléchi pour prendre le ballon, bon, il a été quand même pris hauteur du visage au minimum. Et M. Castille ne va pas sortir de biscotte a priori. Donc il en a sorti une, il juge que ça suffisant. Donc et il demande à Fabien Fauvy de sortir pour commotion. Donc voilà, il fait signe quoi. Et donc on va le remplacer. Allez, M. Castille, qui va faire taper la pénalité. Dès que Fauvy sera sorti, voilà qui est fait. Donc, et c'est une touche qui est trouvée là derrière sur ce coup de pied de Torres. On va jouer là avec Torres du côté. Qui est pris là. Et on va repartir avec Torres. Torres qui va retrouver Lévido. Qu'une longue passe Lévido pour Garouste là-bas. Wok s'est bien joué cette longue passe qu'a ajusté le demi de mêlée du 13 de Limouxin pour son centre là, en sautant les joueurs là, et ça rejoue dans le fermé par Lévido là-bas, qui a pu redonner à Garouste qui est revenu récupérer ce ballon. Voilà, c'est là que Limoux, c'est quand ils mettent un peu de volume dans ce jeu, mais Barbaza maintenant qui vient percuter au milieu du terrain. On écarte ce ballon vers Lévido pour Torreille qui résiste au premier plaquage mais qui est bien pris par un second Lézignané qui joue très vite. Ça repart avec Bousquet, petit coup de pied petit coup de pied rasant et donc derrière les Lézignané sont plaqués dans leur but et ça va être un renvoi sous les poteaux rendu à cette équipe de Limoux. C'est maintenant, il y a encore 5 minutes, il y a une possibilité. Mais il faut possibilité, rapidement. Possibilité de réduire le score, mais pour ceux qui doivent revenir, ça va être hyper compliqué puisqu'il faut marquer 3 fois. Oui, c'est vrai. Bon, alors là, il faudrait peut-être possibilité de revenir au moins pour prendre le point de bonus défensif. Parce qu'actuellement, à 14 points, il n'y a pas le point de bonus défensif pour les Limouxins. Et puis, on ne sait jamais. Hein, donc, tout est possible. Allez. Lévido qui retrouve Barbaza qui avance, qui progresse bien là, jusqu'aux 25 mètres et ça rejoue avec Tisseyre qui fait un gros match aussi du côté de l'équipe du paquet d'avant, ancien Lézignané, ça repart Torreille pour Lévido à hauteur, bien joué là, et c'est ce qui va sous les barres, c'est Garouste je crois si je ne me trompe pas, et c'est de Garouste avec cette course Rance 30, bien servi par Lévido. Et donc, 75e minute, essai de Garouste. Alors, on va voir la transformation de Torreille face au Berre. Essai est à marquer sous les poteaux. Ça va faire de 30 à 38. Le suspense, ces 5 dernières minutes, 4 dernières minutes précisément, va être très, avec beaucoup de suspense. C'est les 5 dernières minutes de l'inspecteur Maigret. Bourrel. De l'inspecteur Bourrel. Mais c'est vrai que Limoux, même s'il marquait une fois de plus, pourrait se mordre les doigts de toutes les fautes qu'ils ont pu commettre dans le match. Hein. Ah oui, aussi bien sur le point de vue ballon perdu que des actions laissées en route. C'est vrai que... À tout le moins, il est important pour eux de récolter ce bonus défensif. Hein. Et c'est du numéro 17, Quentin Rouston, du garage Limoussin. Allez, c'est reparti pour le coup d'envoi pour... Parti Tisseyre qui est vraiment, j'insiste dessus, mais il prend beaucoup, énormément de ballons. J'insiste dessus parce qu'il prend énormément de ballons. Hein. Ça rejoue là avec, à nouveau, précipitation, ballon perdu par cette équipe limousine dès le deuxième tenu là. Et choc là, Torreille
et un Ferré, je crois. Allez, Ferré. Mais bon, de nouveau, après avoir marqué Limoux qui repère ce ballon immédiatement dans ses 20 mètres. C'est l'image du match. Ouais. Trop de fautes, Limouxine, trop de ballons rondis au mauvais moment, là, parce que là, on le dit, on le répète, quand on marque, l'équipe qui vient de marquer a tout intérêt de bien récupérer, de revenir s'installer dans le camp où elle a marqué. Là, ça fait deux fois que le 13 de Limouxine, après avoir marqué, eh bien, se met à la faute très rapidement, soit dès le premier tenu, soit dès le deuxième, dans ses 20 mètres. Et donc, elle offre de suite l'occasion aux Lézignanais de remarquer, de reprendre à nouveau un avantage. Et bon, alors là, les Lézignanais sont en attaque avec Marginet qui lance. Albert qui a libéré un bon ballon pour son talonneur Lacan qui est pris sur les 10 mètres. Qui fait tourner le chrono. Allez, à présent, Gouache avec Thibaut Margalet, en passe en avance, signalé par monsieur l'arbitre de touche à monsieur Castille. Et c'est un ballon, cette fois-ci, les Lézignanais n'ont pas profité de cette perte de balle de Limouxine, puisqu'ils se sont mis eux-mêmes à la faute. Et Limoux bloque le chrono. Il reste 2 minutes 30. 8 points, 2 minutes 30, ouais, c'est compliqué. Là. C'est compliqué, oui. Mais déjà, il faut saluer le point de bonus défensif qui n'était pas acquis jusqu'il y a peu. Hein. Exactement. Mais bon, alors c'est vrai qu'il y aura des regrets pour cette équipe Limouxine et satisfaction du côté de Lézignan. Parce que c'est vrai que Lézignan n'était pas nécessairement favori en venant ici, même si dans un derby, c'est compliqué de mettre une équipe favorite, parce que les derbys peuvent souvent inverser les favoris. Mais bon, allez, ça repart dans tous les cas du côté de Limoux. On est à quoi large à présent, un bon ballon qui arrive là jusque à Vergnol qui est pris. Ça repart très vite hein, derrière. Avec le numéro 21, Limouxin, avec à présent un ballon pour la Vergnol qui est pris. C'est le dernier tenu, c'est le cinquième et dernier, un ballon pour Torrey qui libère pour Tisseyre qui donne une chandelle là-bas que l'ailier Lézignanais. Il y avait peut-être un peu mieux à faire du côté ouais. De... Parce qu'il y avait pu y avoir un 4 contre 1 en boule. Hein. Tout à fait, ouais. Il y avait du surnom au large là et c'était peut-être pas le meilleur choix. Allez, ça aurait été aussi une des caractéristiques d'Imoum qui s'est souvent précipité. Hein. Contrairement à Lézignan, grâce à la maîtrise de Marginet, Gouache et consorts, on a davantage su organiser, peser le jeu, alors que du côté de Limoux, souvent on a pêché par précipitation en voulant aller en manquant peut-être de vision globale du jeu. Bon, après, cette charnière, elle a montré quand même de bonnes choses du côté de Limoux, même si elle est en reconstruction. Et allez, du côté de Lézignan, on fait tourner le chrono, il reste 15 secondes, on va trouver une belle touche, encore un bon coup de pied de Marginet qui va sortir. L'image du match aussi, là, c'est aussi là que Limoux a pêché, le jeu au pied est quasi inexistant par rapport à Lézignan. Et c'est une 40-20 qui est jouée très vite par Lézignan, non mais ah, c'est une 40-20, j'avais pas fait attention que la deuxième 40-20 trouvée par Marginet. Je pensais que c'était un coup de pied rasant en touche qui avait été fait pour simplement faire tourner le chrono. Eh bien, c'est une nouvelle deuxième 40-20 trouvée par Marginet. On se souvient que tout à l'heure, sur la première 40-20, les Lézignanais avaient marqué dans la foulée. Alors là, ils sont à l'attaque. Un coup de pied rasant à nouveau de Marginet. Cette fois-ci, bien récupéré par, je crois que c'est Vergnol là, qui a récupéré ce ballon. Et la sirène va voilà, la sirène retentit, après on tape à suivre Flovi qui tape un grand coup de pied, mais Cardas va le récupérer, et Cardas va partir en contre-attaque, je pensais qu'il allait partir en touche, il donne un petit coup de pied par-dessus, puis il récupère lui-même, il jette ce ballon, mais les Lézignanais continuent à jouer, c'est le dernier tenu, là-bas il peut y avoir le surnom du côté des Lézignans, est-ce qu'ils vont finir par un essai? Eh oui, ils finissent par un essai là-bas.
c'est les Ignanais, sur, alors que la corne avait retenti. Je ne sais pas qui a marqué là. Dernier essai alors que la corne, après la corne, pour les Ignans. C'est peut-être l'ailier, c'est peut-être Solé qui a marqué. Non. Non, c'est... c'est pas Bonnériès puisque il est si c'est Bonnériès, ouais, c'est Bonnériès. Il venait de... donc il était rentré, oui, c'est Bonnériès qui se rattrape de son carton jaune tout à l'heure, hein, puisque les deux équipes étaient revenues à égalité. C'est Bonnériès qui marque après ce hurrah rugby mené par les Ignanais après la corne, et voilà, donc ça va 42-30. Si la transformation est réussie, ils peuvent le priver du bonus défensif si réussit la transformation. La transformation ne passe pas. Donc ça nous fait 42-30. Victoire du Fesseleux ici à l'Aiguille. Bon, une victoire peut-être, à mon avis, un peu surprise. Je ne sais pas, Rafa, ce que tu en penses. Non, pas surprise, parce qu'on connaît la valeur de Lézignan. On ne savait pas trop où ils en étaient, parce qu'ils n'avaient qu'un match, un match perdu à Villeneuve. Limoux était invaincu et comptait peut-être faire la passe de 3, mais sur la partie, ils ont su mieux gérer le match, mieux gérer les temps forts, un jeu au pied plus performant. Il n'y a pas photo, et même la dernière minute est un peu à l'image, où on ne doit pas se mettre en difficulté comme ça. La cloche a sonné, il suffit d'arrêter le jeu en envoyant le ballon en touche et on tape pour essayer de récupérer un ballon qu'on donne à l'adversaire. À la sortie, on prend encore un essai qui aurait pu coûter très cher, parce qu'avec une transformation, on perdait même le bonus défensif. Et Limoux a donné beaucoup, surtout en première période, et puis a laissé beaucoup d'occasions en route. Ça, c'est un peu... Alors que les Ignans avaient fait preuve de réalisme presque chirurgical. Ah oui, oui, ils ont été très réalistes. Et puis il y a eu trop de déchets du côté Limoux-Saint qui se sont mis tout le temps dans le rouge en défense. Ils ont rendu un nombre incroyable de ballons dans les débuts de chaîne, en plus dans leurs 10 mètres. C'est compliqué de gagner des matchs avec un jeu comme ça. Bon, mais c'est qu'une péripétie, hein. Les temps sont difficiles. Le match a été plaisant. On se reverra au Moulin et peut-être que là, on va inverser la vapeur. Et puis d'ici là, il y aura de l'eau à couler sous les ponts. Ouais. Espérons que le COVID... On n'aura plus les masques peut-être. Voilà. On voit un carnaval quand même. Et voilà, bon, en tous les cas, on s'est bien régalé. J'espère que vous aussi, derrière vos écrans, vous êtes régalés. On remercie encore une fois le 13 de Limoux-Saint et tous ses partenaires de vous avoir permis de vous offrir cette belle retransmission sur YouTube, sur la chaîne YouTube du 13 de Limoux-Saint. Voilà, on vous dit à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir tout le monde. Donc, je reprends la parole. Merci à vous d'être venus. Rafa, M. Arcaz, merci beaucoup d'avoir commenté ce match. J'espère que la prochaine fois, vous reviendrez nous voir. Hein. Rafa, toi, tu es habitué du stade, donc je sais que tu seras là. Alors, un petit mot de notre partenaire de ce match, un peu, puisque vous êtes partenaire à la fois d'un côté et de l'autre. Je pense que les deux équipes ne vous ont pas déçu. Hein. Votre partenaire est bien fructifié. Voilà, bon, c'est passé d'un côté, de l'autre, du mauvais côté pour nous. Mais quoi qu'il arrive, le rugby a été mis à l'honneur aujourd'hui. Oui, comme vous le dites, dans tous les cas, c'est le rugby à 13 qui a été mis à l'honneur. On a vu un beau match équilibré jusqu'au bout, malgré l'emprise sur la fin du Fesseleux. Bon, voilà, donc nous, c'est vrai que, comme vous le dites, on est partenaire des deux clubs, donc dans tous les cas, on ressort gagnant. Voilà, dans tous les cas, ce qui est important pour l'ensemble des passionnés du rugby, c'est que c'était un match plaisant, engagé. Et voilà, je pense que ça a donné du beau spectacle. Et en tout cas, on était heureux de participer avec vous à ce visionnage et à ce match. Merci beaucoup. Donc, écoutez, on a passé une bonne journée. Moi, je vais me passer peut-être une mauvaise soirée. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça, c'est du sport. C'est vrai que ça fait toujours mal de perdre. Mais le plus important, c'est d'avoir joué encore une fois. Et puis surtout, rendez-vous à la prochaine fois. Donc, Mylène, un petit mot de fin. Parce que... Un petit mot de fin. Bon, moi, je voulais vous remercier tous d'avoir été présents derrière vos écrans. Bon, une défaite, voilà, c'est le jeu, comme vient de dire Laurent.
Voilà, on espère que vous êtes quand même régalés. C'était une belle rencontre, gros match. Et on va lire tous vos commentaires pour essayer de s'améliorer la prochaine fois. Merci pour votre soutien et merci pour Limoux 13. Voilà. Merci à Gestio, merci à toi. À bientôt et allez Limoux. Ouais. Allez, bonne journée.